Eh bien, on peut dire que vous savez voyager, mes amis. Dites-moi comment tout a commencé avec Baldur. Il est venu frapper à notre porte. Baldur d'Asgard a simplement frappé à votre porte? Oui. Il est arrivé et il a provoqué Père. Il a dit qu'il voulait savoir quelque chose. Il a dit... Je sais ce que tu es. Oh, bon, on y reviendra plus tard. Et qu'est-ce qu'il voulait, juste? J'étais caché sous le plancher. Il a dit que je savais ce qu'il voulait. Il m'a peut-être pris pour un autre. C'est intéressant. Qu'est-ce qui vous arrive à tous les deux? Allez, du balai! Allez! Hey, le bruit court que quelqu'un a fait taire cette grande gueule de Magni. Vous y seriez pas pour quelque chose, des fois? Ce serait plutôt une bonne chose ou une mauvaise chose? Mauvaise pour vous quand son père l'apprendra. Mais moins il y a d'as dans les parages, mieux je me porte. Tiens, je vous offre la prochaine amélioration. C'est vrai? Non. Waouh. J'ai failli oublier. Saloperie. Croc, voici notre nouvelle amie Mimir. On se connaît. Oh, pourquoi tu l'as pas dit? Demande-lui. Me demander? Parle pour toi. Silence. Ça suffit, vous deux. D'accord. J'aurais mieux fait de me taire. J'adore ces trucs-là. Indri et toi, vous pourriez pas faire la paix? Ça peut pas être si grave. Vous êtes frères. Viens pas me parler de famille. C'est pas moi qui ai oublié ce qui faisait notre nom. Les armes qu'on forgeait étaient légendaires dans les 9 royaumes. Et ce, depuis plus d'années que je saurais en compter. On fiche pas tout ça en l'air juste pour une mauvaise... Une mauvaise quoi? Rien du tout. Cela fait quoi de finir? Pas autre chose à faire. À 100% émission dans le mode histoire d'Exus? Bah... rien de plus. C'est juste pour récupérer les lapis et tout ça. La chance est au maximum, on peut pas aller plus haut, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'elle est bloquée à 215. On a combien de... Ah putain, on a 71 de perles. C'est tout. Okay. Allez, on est reparti en bateau. Après le live, je vais regarder si j'augmente un talisman ou un truc. Parce qu'on travaille toujours avec le même talisman depuis le début. Ce serait bien de changer un peu. Oh, le tombeau de Tyr est derrière cette porte magique. Derrière cette porte magique. Attends. On va faire Tyr. Non. Chers Edward Valkyrie, retrouvez Brock aux mines de Landsuur. Allez à la forteresse Nortri. Retrouvez les os de... Ah, peut-être les os. Les ossements. C'est pas très loin. D'accord, en fait, c'est super loin, putain. C'est super loin! Non. Le royaume de feu. Ah, Muspelheim, ça, on verra ça plus tard. Et où la forteresse? On va aller là. On va aller là, là-bas. Non, pas de scène bonus, non. Alors Odin et Freya auraient pu être heureux, mais ils voulaient que sa magie. Oui. L'aperçu qu'il avait eu de la magie Van l'avait amené à de nouvelles formes d'expérimentation et de dépravation. À droite. Passion. Ah, on va aller là en premier, tiens. Sûrement du combat. Vous allez bien? Non, désolé, j'étais là.
tuer les membres d'équipage. Je crois que c'est la... Je crois que c'est le chemin pour la forteresse. On va pas la faire directement, on va d'abord aller... J'ai découvert que ces terres étaient propices à la chasse et au commerce. On va d'abord aller là. J'ai cessé de rechercher Jotunheim il y a bien longtemps. J'ai rien dit. Il y a des hommes plus jeunes, moins désabusés. Mais j'ai été trop ambitieux. Et mes hommes en ont payé le prix. Je viens d'avoir les gantelets d'unité perdue de tir, plus. Je les ai augmentant au max, ils ont des stats folles. Ah, sympa. Ouais, dans le jeu normal, déjà, les gantelets de tir étaient extrêmement bien. Je les ai gardés pendant très, 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 très longtemps. Donc j'imagine les tirs plus. L'ensemble de l'armure de tir, je sais pas s'il y a un ensemble. Je sais plus. En tout cas, pour l'instant, j'ai que les gantelets tir plus. Un crâne. De la magie émane de ses os. Ça doit être Gulvig. Ah. Est-ce qu'on peut le garder? On trouvera peut-être les autres. Cet esprit te ment, Atreus. Comment tu le sais? J'ai connu mon lot d'esprits. Ils mentent tous. Celui-ci est différent, je le sais. Tu sais très peu de choses. On est de retour ici. Je crois pas que ça nous aide vraiment. Bam, 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 bam. Bon up, femme, merci d'être passé. Qu'est-ce que c'est? Et bon courage pour la suite de God of War. On a un os sur trois. J'étais chanceux de mener un équipage aussi loyal. On n'en est pas dans le bon sens. Je me suis perdu. Qu'est-ce que... On a fini là, non? On se casse. Oui, on s'en fout de ton histoire. On verra ça plus tard. Croire qu'un esprit tiendra parole est stupide, mon garçon. Mais s'il y a ne serait-ce qu'une chance, j'aimerais pas pouvoir revoir mère. Bien sûr que. Elle est morte, Atreus. Tu dois l'accepter. Je sais, mais j'aimerais la revoir. Une dernière fois. Pourquoi le crois-tu? Tu ne sais ni qui il est, ni ce qu'il était. Tout ceci est sinistre.
Il veut revoir quelqu'un qu'il aimait. Je comprends ce qu'il ressent. Non, pas là. Je trouve pas ça sinistre du tout. L'espoir obscurcit ton jugement, Atreus. Si je me rappelle, après il va essayer de nous tuer. Et c'est comme ça que tu vas la revoir en mourant. Ah ah. D'accord. Le mariage entre Odin et Freya n'a pas duré. Mais pourquoi aller vivre en ermite dans les bois? Oh, c'était particulièrement cruel, même de la part d'Odin. Comme si le mariage n'était pas une punition suffisante. Il ne méritait pas d'une femme comme Freya. Elle a essuyé toutes sortes d'affronts au nom du maintien de la paix et de la sauvegarde. L'esprit qui nous a demandé de... Je peux te raconter cette histoire plus tard. De récupérer ses os. Il a dit au gosse, si tu rapportes mes os, je ferai en sorte que tu revois ta mère. Ah, il y a un corbeau. J'ai entendu le corbeau. Juste là, saloperie. Oh. Allez, combat. Ah. Boom. Tada. Les brasiers de Tyr, le symbole de la lumière qui unifie les royaumes. Mais pourquoi utiliser ces sortes de runes? Maintenant que tu le dis, c'est étrange. Oh. Bah Lilée. Il nous faut un autre code que celui qu'on a. Oh. Chier. Oh oh. Une minute. Allez, c'est parti. Je sais pas, je vois pas ce que je tape, mais on le tape. On l'a fait tomber. Tada. Ça va ? Ouh. Jormungand. On va prendre le bateau et on repart. On repart dans la grotte. Est-ce qu'il y a un bateau là en fait? Je sais pas s'il y a un bateau. Yes. Il y a des bateaux partout. C'est marrant, le drapeau il blanchit. Oh. Non, c'est étrange. Peut-être, c'est peut-être pour qu'on les voit de loin en fait. Genre ils deviennent un peu plus lumineux, je sais pas.
tu me racontais pourquoi Freya a dû vivre dans les bois. Oui, elle a épousé Odin. Mais la folie d'Odin, sa tyrannie, l'usage corrompu qu'il faisait de sa magie, c'était plus qu'elle n'en pouvait supporter, et elle finit par le quitter. La colère d'Odin fut immense, et ses châtiments excédaient tout ce qu'elle aurait pu redouter. Mais sa magie était plus puissante que la sienne. Après tout ce temps passé près d'elle, il connaissait ses faiblesses et s'en servit pour lui jeter une malédiction qu'elle ne pourrait rompre. Tu sais quoi? Je te la dirai plus tard. Oh. Pas à rentrer sans clé. Oh merde! Ok, on est au mauvais endroit. Il faut faire d'abord autre chose pour les nains. Allez, Mimir, continue ton histoire. Mimir! Donc, Odin était furieux que Freya parte. Furieux! Et ses représailles furent terribles. Oh! Comme l'empêcher de quitter Midgard. Pire encore, il la priva de son esprit combatif. Freya ne put plus se battre, pas même pour se défendre. Elle ne put blesser aucun être vivant, ni par le fer, ni par la magie. Dans un monde si belliqueux, quel autre choix lui restait-il alors que la réclusion? Pauvre Freya. À sa place, j'aurais craché dessus aussi. Oui, petit. Moi aussi. C'est vrai que j'avais oublié ce détail. Elle peut pas attaquer, c'est pour ça qu'elle utilise le géant quand on combat... Quand on combat Baldur, elle utilise le géant pour nous attaquer. Atreus. Viens. En fait, quand il dit il l'a privé de son esprit combatif, il lui a enlevé les ailes, c'est ça. On va se mettre là. Chercher les autres. Il nous a rien donné de bien intéressant le machin. Ah, une main. Les os de Gulvig. Que voudrais-tu lui dire? À Gulvig? À ta mère. Qu'as-tu encore à lui dire? Je voudrais savoir si elle va bien. Elle est morte, Atreus. Je le sais bien, mais... Tu comprends rien. Et toi non plus. Oh. Pas que César a perdu son commandement sur les autres Valkyries. Oui, enfin, les autres Valkyries sont morts de toute façon. Mimir, il y avait une fresque consacrée à une géante, avec plein de livres et des visions. Ah, il s'agit de Groa, la gardienne du savoir. Nous reprendrons plus tard. Est-ce qu'on est bon? Yeah, on est bon. Que dirais-tu, Amer? Rien. Rien? J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et tout ce qu'on a fait ensemble. L'homme qui est venu à la maison. La rencontre avec le serpent monde. On a fait des choses incroyables.
J'aimerais pouvoir lui raconter tout ça. À toi ? Que lui dirais-tu d'autre ? Je lui dirais que nous allons bien. Qu'il faut pas qu'elle s'inquiète. Atreus, elle me manque aussi, tu le sais. Je croyais que je savais rien du tout. Quand vous aurez récupéré la pierre à aiguiser, prenez-en le plus grand soin. C'est une relique inestimable après tout. Ça marche, nain. Inutile de chercher un prétexte pour me dire bonjour. On continue. Attends, c'est où? C'est là? Non. Ah, mais là, c'est pas un château. Pas à croire qu'un fils puisse tuer son propre ouais, père. C'est ça, là. C'est le tu bandit. Trouves pas ça fou? Non, je sais. On connaît pas toute l'histoire. Mais quand même, son propre père. Je veux dire, je m'énerve contre toi des fois, mais. C'est vrai. Oui, un peu des fois. Mais je te poignarderai jamais dans le dos. Non. Ce clan voulait vraiment laisser entrer personne. Comment on va faire pour passer? Il doit y avoir un moyen de soulever la porte. À quoi que. Avec cette grosse roue à aube. C'est ce que je me disais. Après, peut-être, il y a le château. On va voir. On rappelle plus. Bon, bon. Allez, ciao. Ah, oh, putain, on l'a fait passer de l'autre côté. Pas mal. Mythologie scandinave, les dieux sont mortels. Ils peuvent vivre plusieurs siècles, ils ont des pouvoirs surhumains. Ok. Je me rappelle plus trop de ce qu'il faut faire. Faut pas couper une corde. Ah voilà.
faut récupérer ce... Qu'est-ce qu'il y a, croix-croix, là? Non, c'est pas un Odin. Ah, faut qu'on trouve un moyen de récupérer le coffre. Monter? Je pense. On va voir. Le gamin, c'est son ascendant divin grec. Non, non, il sait pas encore. On n'en est pas encore là. Non, c'est encore. Il y a encore un moment. Faut d'abord récupérer la rune. La merde, comment on va à ce putain de coffre? Faut récupérer la rune, puis après retourner au sommet. Après, il va s'énerver, il va tomber dans le coma. On va devoir aller à Helheim. Récupérer quand le cœur. Est-ce que tu t'énerves? Le cœur d'un géant. Quoi? Contre moi. Quand? Oh, eh ben. Et après, fois, après il va lui dire. Je suis pas capable de faire quelque chose, alors que je le suis. Ce n'est pas toujours évident de connaître ça. Ça va, j'ai compris. Je suis un enfant. Je me demande où est cette pierre à aiguiser. Donc il y a encore un bon chemin. Il y a la partie où c'est qu'il devient chiant aussi. Genre qu'il écoute plus et tout. Oh putain, où est-ce qu'on va? Je suis pas déjà détruit ce pot. On va prendre le bateau, on se casse. C'est peut-être après. On verra ça. Non, je crois que c'est juste derrière ça. Oh. Ça existait pas les vers comme ça avant. Non. Ah merde, on l'a déjà tué. Gêne. Ah, loupé. Non, non, non. Depuis quand tu peux prendre de bateau comme ça? Excusez-moi, on est de retour.
Voilà. Alors, là ou là? Ce qui est embête, c'est que, enfin, je pense que dans God of War 2, viens voir ici. Ils vont sûrement laisser Kratos de côté. Bon, peut-être qu'il va mourir, machin, mais avoir des aventures comme ça avec son fils, c'est plutôt cool. Enfin, moi j'aime bien. Et j'ai un peu peur que c'est le seul qui va être comme ça. Genre le 2, ça sera différent. Où il y aura plus Kratos, où on va être Atreus à la place. Atreus. Enfin, c'est une chouette histoire, de toute façon. On s'en rappellera toujours. Ouh, il y avait un rat. Il va où, le rat? Où est-ce que je vais, là? Dans le troisième. Ah. Non, mais c'est pas le même coffre. Je suis en train de passer à côté de pas mal de choses là. Ah non, on a fait le tour. Ok, on a fait le tour. Ça, des loups. C'est des loups toxiques. Comment c'était? C'était bien. C'était bien. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Je crois qu'il y a un corbeau de... J'ai l'impression de louper des choses, de passer à côté des choses, ça m'énerve ça. Ah,
Bonne nuit, Saphir. À demain. Merci d'être passé. C'est le fils. Le fils du spectre? Comment tu le sais? Le sceau, c'est le même que celui sur la dague plantée dans le dos du père. Il s'est défendu, mais ça n'a pas suffi. Ils l'ont trahi. La trahison entraîne la trahison. À mon avis, les hommes n'ont pas apprécié que le gamin tue son père. Il se croyait prêt à commander. Ça lui a coûté la vie. Sûrement. Là, regardez, à ses pieds. La pierre a aiguisé. Oui, ils lui ont enfoncé le crâne avec. Vraiment? Bah. Prépare-toi. T'es excité, toi. Ah, plus d'armure. Oh putain, les autres. Oh, oh la vache. Petite pause pendant le combat, apparemment. Talisman ancestral brisé plus relique ancienne de L, jugée trop puissante pour rester entière. Les fragments de sa force passée ont été disséminés à travers tous les royaumes. Ah, je crois que c'est le gantelet, là, de... Comment ça s'appelle? Avenger, là. Faut mettre des pierres dessus. Eh bien, les pillards ont des priorités bien à eux. Si une chose ne brille pas, et qu'on ne peut ni la boire, ni la manger, on peut toujours enfoncer un crâne avec. Brume de guérison. Désolé. Qu'est-ce qu'on peut faire? On passe. Bien joué. Gantelet des pierres de l'infini de Thanos, c'est ça. Ouais. Par contre, faut trouver les pierres. Non, mais je les ai en fait. Je pense que celle du jeu normal, ça doit marcher. Ah, quoique non, il faut l'augmenter. Non, il faut l'augmenter à... Au niveau max, il faut avoir 3 emplacements. Ouais, moi j'ai... Il est là, le gantelet ancestral. Normal. L'attaque est sympa, ça tire des sortes de lasers en fait. C'est pas mal. Formez une équipe redoutable tous les deux.
Ah. Tada. Le coffre. Le gantelet de guerre de l'infini de Kratos, c'est ça. Je me rappelle, les lasers sont pas mal. Les lasers, en fait, ils suivent. Ça fait bien mal. Et s'ils loupent leur cible, quand on les tire, ils reviennent, en fait. Ils cherchent les cibles. Sympathique. Mais après, bon, voilà, c'est une attaque. Pour l'instant, j'aime bien ma défense qui soigne. Atreus, par ici. Oui, père. J'ai pas loupé un corbeau de machin. Il appartenait au fils. Corbeau de Thor. Wow, il corbeau en avait de Thor. Des choses à dire. Corbeau de d'Odin. Père, pardonne-moi. Rongé par les remords. Regrette mes actes. S'il avait réfléchi avant d'agir, il n'aurait pas eu tous ses remords. En vrai. Ouais, on devrait peut-être apporter ça à son père, dans la réserve. Par contre, je voudrais bien savoir quand on... Quand est-ce qu'on récupère l'habilité de passer de... De porte en porte. On s'arrête ici. Attends, ouais, où est-ce que... Non, c'est pas là, non. Putain, Atreus, tu m'as fait... C'est plus loin. C'est là. Théon. J'ai entendu un bruit comme s'il y avait un corbeau d'Odin, mais bon, j'ai dû le rêver. Non, j'ai dû le rêver. Oh, Goldo! Ça va. Tada. J'avais commencé à raconter une histoire. Mimir. À propos de Grosoir, la gardienne du savoir. Ta bouche. Nous vous n'auriez pas trouvé cette pierre à aiguiser. On a trouvé la pierre à aiguiser. Oh. L'épi. Oh. Alors, poignée des... J'ai hâte d'essayer cette nouvelle pierre. Des Hrazla Farmardra. Plus. Pomme de hache. Il m'en fallait une nouvelle. Fais le champ d'obtenir un regain de santé à chaque coup de hache. Je l'ai vu. Cracher dessus. On va lubrifier. Je lui ai dit qu'il pouvait la garder. Ça peut être pas mal. Parce que nous, on a la brume de guérison. Et là, on pourrait changer pour ça. Installé dans mon canapé, j'avais la flemme de venir dire bonjour. Waouh, sympa. Sympa, Goldo.
Je sais pas, on pourrait changer pour ça. Je crois que la brume de guérison, c'est dans le monde de la brume qu'on la récupère, donc c'est très très loin. Je pense. Sindri, tu connais Mimir ? Si tu parles de la tête coupée qui me fait des clins d'œil, merci de ne pas l'approcher. Je doute que ce soit très hygiénique. Oh, charmant. Ravi de te voir aussi, Sindri. Crétin. Oh. Serait-ce un morceau de ma flèche de gui tressée qui orne la lanière de ton carquois ? Un petit souvenir de ton ami Sindri ? Oh, je suis extrêmement touché. Vous êtes au courant ? Nagni, le dieu Az, fils de Thor, mort ! C'est fou ! Depuis, Maudit retourne tout Midgard pour mettre la main sur le coupable. Il a juré que quand il l'aurait trouvé... Merde ! On devrait sans doute en parler plus discrètement. Ou ne pas en parler. Voilà un très bon plan. Pierre de l'oubli, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça, les pierres de l'oubli? Ah tiens, Golo, ça me rappelle. Ton livre, il n'y a pas écrit, ça parle pas du New Game Plus. C'est marrant maintenant, parce que les livres qu'on peut acheter, les guides officiels, tout ça... Ça sert à rien, au final. Enfin, ça sert à rien. Il n'y a pas... Quand ils décident de rajouter des choses comme ça. Bon, bah du coup, on va pas l'utiliser... On va garder ça. Parce qu'on peut pas le monter de niveau pour le moment. Oh, parfait. Parlons à faire. Une pierre que tu oublies d'avoir quand tu l'as, c'est ça. Go. Mimir, je me disais que tu connaissais peut-être Brock et Sindri. Oh, les fameux frères Uldre. Qui ne les connaît pas, ils sont célèbres par ici. Tristement célèbres, diraient certains. C'est eux qui ont fabriqué Mjolnir, vois-tu? Le marteau de Thor. L'arme la plus redoutable des dieux As, le fléau des géants. C'est eux qui ont fabriqué le marteau de Thor. Je pensais qu'ils aimaient pas les As. C'est le cas, mais c'était il y a fort longtemps et ils avaient envie d'établir leur réputation à cette époque-là. Ils y sont allés un peu trop fort, si tu veux mon avis. Je me demande si Kratos il va récupérer le marteau de Thor à un moment. Voilà. Ça serait comique. Vous y allez ou quoi ? Hé, qu'est-ce que t'as fait de ta vache ? Comment ça ? Je l'ai mangée. J'en ai évacué des bouts pas plus tard que tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui t'a pris ? Quoi ? Elle donnait plus de lait. C'était ton ami ? Alors elle doit être contente de m'avoir bien nourri. Ma parole, gamin, t'as un vrai sentimental, tu sais. Je devrais faire attention à toi. Allez, merci. Décomposer le fléau Az, non ? L'ultime création du Valdir, concentration du Bonkaven empoisonné et du Az. Au plaisir. Je pense qu'on va s'arrêter là. Demain on continuera. Demain on va faire quoi ? On va enchaîner sur des quêtes. J'aime bien moi les quêtes des nains là. Les mines Landsuor, c'est où ça? Je me rappelle plus. C'est là-bas. Comment on y arrive?
passer par là. On verra ça demain. On verra ça demain.